Bonjour et bienvenue dans ce tournoi de poker à 6 joueurs. Tournoi qui vient de commencer. J'ai 8-2. Je suis en bas de l'écran à droite. Je passe. Tous les joueurs ont 1000 jetons au départ. Les blindes sont de 10 et 20. Et nous sommes 6. Hey Maestro, El Maestro est en France. Boba 974 est à La Réunion. B3, MDS3N est au Brésil. Andrew est en Ukraine. Et Zangit est en Italie. Encore un tournoi multilangue et multi-pays. Alors, il reste 3 joueurs pour se partager cette main. Non. C'est B3R qui l'emporte. Il emporte un pot de 260. Bien. As-2, je suis de grosse blinde. Que vont faire les autres? El Maestro réfléchit à sa main. Il passe. B3 suit, tout le monde suit. Eh bien, je vais donc relancer à 40. Je touche l'as. Il y a également trois carreaux, donc je suis pas mal placé. On va relancer à 80, donc un peu plus de la moitié du pot. Il y en a un qui suit. Un, deux valets qui tombent. Je n'ai qu'un seul adversaire. Je relance à 180. Ah, il met 360. Il y a probablement un as. Bon, on va voir. Maintenant, j'ai deux paires As-Valet. S'il a un As, il a aussi deux paires As-Valet. Moi, j'ai Kicker 10, c'est pas terrible. Donc, je vais checker. Ça me paraît délicat. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il met 200. Il veut absolument rentabiliser sa main. Deux paires As-Valet. Allez, je vais tenter de. Je vais quand même suivre. Eh ouais, pas de chance, il a un brelan. Bon, c'était assez mal joué en fait. C'était assez mal joué. Bon, le brelan, ça arrive quand même. J'aurais pu m'en méfier. Je n'y ai pas pensé. 8-10, on va suivre les 30. Check. 5 roi de trèfle. Et le valet de cœur au flop. Bon, j'ai rien de vraiment rien, je passe. El Maestro. Ouais, faut que je fasse attention là parce que. Il me reste 10, 14 blindes, donc ça va être. On va rentrer dans la phase passe sous tapis. Roi 9 de carreau, ça peut être tapis. Ça peut être tapis. Allez, on y va. Y a des meilleurs spots, mais on va tenter celui-là. Il suit le B3, il a envie de me faire dégager. Il y a deux qui suivent. Oh là là. Très mauvais flop pour moi. Deux cœurs, un as. Waouh. Les chances commencent
se réduire. 2 10. Allez, un petit 9. Ou un petit roi, ce sera encore meilleur. Eh ouais, il a un as. Et moi, j'ai un valet. 8, 9, 10, valet. C'est fini. Voilà, je suis donc éliminé pour un tapis avec roi 9 de carreau. Un peu limite. Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Si vous auriez fait aussi tapis, dites-le-moi. Dites-le-moi dans les commentaires. Merci. Je vous dis à bientôt.